Eh bien, salut à tous, c'est Nasouk, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Battlefield Bad Company 2. On va aller voir le satellite qui venait tout juste de se crasher. Putain, il en a fait des dégâts, le bordel. Waouh. Attendez, parce que je fouille un petit peu. Je vois par exemple que par là, il y a une arme. Attendez, je la cherche. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est juste ces quatre. On prend. On en aura peut-être besoin. Il y a une autre arme par là, on va aller voir ce que c'est. Ce serait pas toi qui aurais une arme? Ah, t'es quand même bien assis, toi. C'est assez marrant. Alors, ah là, ici, il y a une arme. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est... attendez. C'est la même que moi, je m'en fous, en fait. Et il y a une autre arme encore. Attendez, on va aller voir. Putain, j'ai du mal, par contre, à passer. Il y a une autre arme par ici, je crois. Peut-être sur le toit. Non, j'ai pas l'impression. Où est-ce qu'elle est, cette arme, alors? Peut-être à l'intérieur de la maison. Ça m'étonnerait, c'est assez rare que ce soit à l'intérieur des maisons. Bah merde alors. Attendez, j'ai peut-être dû louper quelque chose. Ah, ici, du C4 encore, cinématique. Trouve la boîte noire. Le serveur. Le truc, c'est que je suis pas vraiment inifugé, c'est beaucoup trop chaud pour le moment. Il est renforcé contre les radiations alors. Sur la gauche, repoussez-les. D'accord, j'ai compris. Il va falloir qu'on se batte contre des ennemis. Oh merde. Allez, il faudrait que je trouve un... Oh merde. Ouais, c'est bon. Ah, il va laisser démolir le satellite, d'accord. Salut. Heureusement que le sniper, c'est quand même... Heureusement qu'il one-shot, en fait, ça que je veux dire. Salut, toi. Parce que si le sniper one-shotait pas, ce serait très compliqué. Oh, c'est passé. Je vous avoue, j'y croyais pas trop lorsque j'ai lancé cette grenade. On recharge un peu. Escape, ouais, il y a d'autres ennemis. Il est déjà mort, ça sert à même... Ah non, il y en a autre. Ok, c'est bon. Ils ont quand même pu tirer aucune roquette depuis le début. Hein. On s'en sort bien. Je clean. Pas à droite, j'arrive. Je suis là. Je vais monter sur ce toit-ci plutôt. Merde, je vois pas grand chose par contre. Les reflets de la neige. Aouh. Les reflets de la neige, c'est très difficile. Je vois pas les ennemis en fait. Ah, ok. Lance-roquette sur le toit. Il est déjà mort. Ah non, il y en a un autre. Putain, il a tiré. C'est bon, ils ont tiré juste une roquette. Ouais, ça va aller. C'est ça le satellite? Il est stylé. Hein. Quoi? Tu sors d'où ton lance-roquette, mec? Mais non, il n'y a pas... Vraiment, il y a un lance-roquette, il y a un hélico ennemi. Faut que je passe sur le toit ici, il y a un lance-roquette sur ce toit-là. Ah, t'es sympa, je passe par où pour avoir le lance-roquette, moi? Mais mec, t'es au courant que je peux pas monter sur le toit? Ah mais what the fuck, je fais comment? Ah putain, là... Raté. Ils l'ont encore touché, merde. Touché. Mais pas neutralisé. Allez, faut que je me le fasse. Merde, ils l'ont touché. Empêchez-les. Tu crois que c'est facile ou quoi? Merde,
Voilà, ça c'est clean. Repasse-moi mon snipe. En plus, je l'ai bien posé le sniper. Je crois que j'ai besoin de m'asseoir. Moi aussi. Je crois que c'est bon. Dommage que le temps se gâte. Il est quand même stylé le satellite, hein. Franchement. Une tempête se prépare. Vous deux trouvez la boîte noire. Et nous, on va essayer de récupérer un véhicule. On ferait mieux d'appeler le sergent. Je reviens tout de suite. Me tire pas dessus, lui, j'ai... Ok, alors, petite parenthèse, cette partie de gameplay est très très intéressante parce qu'en fait, elle est un petit peu innovante dans le sens où on pourrait se dire, bon bah Nesfux, tu vas simplement avancer et puis basta. Mais il va falloir se mettre à couvert parce que la tempête de neige, c'est pas ce qui est le plus utile. Donc ça, c'est plutôt bien parce qu'en fait, il faut se cacher dans les bâtiments. Si tu m'entends, tu vas devoir te mettre à l'abri, vite. Histoire de se réchauffer un peu pour pas qu'on meure de froid. Trouve un moyen de te réchauffer. Et surtout, ne traîne pas dehors trop longtemps. Ou t'es sûr de crever de froid. Donc en gros, va falloir vraiment passer de maison en maison. Et ça, je trouvais ça plutôt bien foutu, personnellement. Ok. Pour l'instant, on s'en sort bien. On voit pas grand-chose, donc c'est difficile de se repérer. Allez, allez, on enchaîne, je sais pas où je me dirige, mais on s'y dirige. Là-bas, il y a une maison, faut qu'on y aille. Ah, j'ai peut-être mourir de froid avant. Tiens, ça c'est cadeau. C'était quoi ce coup de couteau tout pourri qu'il a voulu me faire? Attends, c'est super joli. Il y a un petit bureau et tout, c'est très mignon. Oh, je suis bloqué. D'accord, on peut pas y aller. Allez, on enchaîne, faut qu'on continue à descendre. Si je fais ça, est-ce que ça me fait... Ah voilà, c'est ce qui me semblait. Allez, on continue à descendre. Merde, pas le temps, pas le temps, pas le temps, faut que je me dépêche. Oh, il y a une petite arme là, je la prends mais ça m'intéresse pas. C'est juste histoire de l'avoir. Je sais pas où il est le mec, je pense qu'il va passer par là. Non, pas la moindre idée d'où il est. Et je comprends rien de ce qu'il raconte dans la radio. Allez, on continue. On avance, on avance, on avance. C'est bon, la porte est ouverte. Ah ouais. Putain, je vois pas grand chose. Sauvegarde en cours, ça c'est sympa. Allez, on continue. Il y a d'autres maisons par là. Fais attention au froid. Voilà, ça c'est cool. On ressort. C'est bon, je suis au chaud. Il y a un feu à côté de moi. Merde. Où est-ce qu'il est? Il était devant moi. C'est bon, je l'ai eu. Ok, c'est bon. Oh, il y a eu, on dirait qu'il y a eu une explosion. Parce qu'il y a eu une... Oh merde, il y a des roquettes, je crois.
Encore une sauvegarde, c'est sympa. Allez, on rentre par là. C'est marrant, c'est que les maisons sont jamais habitées, hein. J'entends une radio, donc il doit y avoir des ennemis là-dedans, je pense. Non. Juste une radio, ok. On va ressortir et on continue. On enchaîne, maison suivante. Putain, c'est loin. Il peut pas glisser sur les fesses. Oh. Vous continuez à tirer au moins, les gars. Bon, tant mieux. Allez, c'est bon, il y a mes potes pour m'aider. Je vais prendre un raccourci. Parfait. Bravo 2, ici Ghost Rider. Il y a trop de notre roquette dans le village. Je vous attends. Essayez de monter sur le toit. Mais je vais pas pouvoir tenir longtemps. Ouais, j'arrive, j'arrive. Oh merde, j'ai failli tomber. Descendre la montagne, ok. C'est bon, je suis là. Il faut que j'aille sur ce toit, d'accord. Allez, allez, je suis presque là. Oh. C'est bon, j'arrive. Je suis là, les mecs. Mais est-ce que c'est une arme scalaire? Ça a de la gueule, hein. Mais c'est impossible. T'as jamais entendu parler de l'opération Aurore? Si, bien sûr, mais même si on pouvait vraiment générer un champ scalaire... Ça créerait d'abord une énorme perturbation dans la troposphère. Stop. En français. Une arme scalaire génère de très puissantes impulsions électromagnétiques. Et alors? Alors, il leur suffit de l'activer au bon endroit pour couper le jus et plonger les États-Unis dans le chaos. Et si les troupes russes décident de nous envahir à ce moment-là, c'est fini. On a intérêt à retrouver ce type. Arkady Kirilenko. Merde. Ce serait pas le mec que t'as laissé filer? Il joue un rôle dans ce projet? C'est lui le cerveau. Et si on veut l'avoir, on doit partir tout de suite. Je dois d'abord informer Bradwood. Non. Si on le prévient, il va envoyer les forces spéciales, des tocards obsédés par leurs gadgets alors que c'est à nous de le faire. Sergent? Écoutez, j'ai 44 piges. Je passe mon temps à vous surveiller comme des mômes. Et ma carrière va dans le mur. C'était ma dernière mission, bordel. J'ai plus envie de me battre. Je veux plus. Même pour sauver les États-Unis? Et après? C'est tout. D'accord, donc t'en es? Bah c'est ma faute si ce salaud respire encore. Sweet? Laissez-moi réfléchir, oui! Regarde. Ben... je suis trop jeune pour la retraite. Et le Texas a besoin d'un sauveur. Alors ok. Alors c'est décidé. Vous allez prendre un blindé dans la zone pour pouvoir atteindre Kirilenko. C'est la seule solution. Et on est parti au sud, vers le Chili. Aguayer devait avoir des amis bien placés, parce que des blindés américains nous attendaient. Depuis le temps qu'on bossait sans l'aide de personne, c'était un peu Noël. Sauf qu'on a eu un colonel russe au pied du sapin. C'est simple, on se serait cru en vacances. Bravo 2, ici Rivergarde. J'écoute, Rivergarde. Kirilenko a été localisé dans un village, probablement un corps armé, près du grand parc d'éoliennes de Talinet. Essayez si possible de le prendre vivant. Mais vous savez quoi faire si ça tourne mal. Ok, bien reçu, Rivergarde. Terminé. Kodiak 3, on change d'itinéraire. Bienvenue dans la zone rouge. Oh là là, c'est super cool. C'est moi qui joue le tank. Écoutez les amis, on va se laisser là pour cette partie de Battlefield Bad Company 2 qui aurait été assez courte, je suis désolé. On se retrouve très bientôt pour la suite et pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter, à partager, surtout à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et salut à tous.